Ah, on va être avec le monstre, nos lampes elles sont en train de. De galérer. C'est impressionnant. On n'est pas les premiers. Bon sang. C'est sûrement ça que Kélus a détecté. Désolé pour toi. Vraiment. T'as bossé dur pour ces recherches. Tu n'imagines même pas. Faut pas t'en vouloir. J'ai merdé. J'aurais dû revérifier les données. Explorer toutes les options. Mais j'étais sûr que c'était bon. Je sais ce que ça représentait pour toi. Je suis désolé. Inutile qu'on se flagelle pour ça. Concentrons-nous sur le présent et trouvons un moyen de sortir. C'est quoi ce bruit? Un affaissement? À cause des répliques? On dirait du matériel archéologique. Quelqu'un a étudié ces ruines. Ces lampes pourront nous être utiles. Elles guideront les soldats jusqu'à nous. Tu crois que ça marche encore? J'en suis sûr. Faut du carburant. On doit en trouver. On aurait de la chance s'ils ont oublié leur bidon d'essence. Tu regrettes de pas avoir demandé de renfort aérien? Et voilà, tu lis encore dans mes pensées. Ah, c'est une mésopotamien, ça. C'est ton... On doit absolument allumer ces lampes. C'est ton perso, l'expert? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, je crois qu'il y a des bidons d'essence, là, non? Attends, c'est quoi? Alors, c'est quoi ça? Ah non, c'est une caisse. Oh là, j'ai de la lecture. Ouais, moi aussi, mais c'est écrit en sommaire, alors ça va tout plus. Ah, non, moi ça va. Ce truc est étiqueté. Mais où est le catalogue? Destiné à apaiser les dieux. Ouais. C'est de la dynamite, là, sur le pilier? Ah, je sais pas. Attends. King à toutes les unités. Vous me recevez? Terminé. Je sais pas si tu vois là où je suis. Ah, merde. Il y a un truc qui s'est lancé. Je crois que j'ai trouvé... Ouais. Ouais, des bidons d'essence, ouais. Ouais. Ah, mais attends. Viens m'aider avec ces bidons. J'espère qu'on va pas allumer la dynamite. Non, on va démarrer le générateur, je pense. La chance a fini par revenir. Oui, c'est le but, mais... Bon. J'ai vachement confiance, tu sais. Ça va? Ouais, je vois ça. Quoi? Oh, tu parles de ma prothèse. Ma jambe, elle est restée sur l'autoroute. Arrête. Je culpabilise encore. J'ai été dur avec toi, Rachel. Je reconnais. C'est pour rien, là. Allez, au boulot. Oula. Bon. Comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas tous seuls. Éclaire le réservoir. Il est toujours aussi charmant. Eh, on va peut-être pouvoir la brûler, la bête. Oh, merde. Un problème? C'est desserré. Cette saleté de valve fuit. C'est réparable? Faut resserrer le tuyau avant de lancer le générateur. Y a forcément de quoi le réparer.
Allez. Ouais, j'espère qu'on va pas se faire attaquer. Comment s'en sortent les autres, tu crois? C'est des durs. Mais... je me fais aucun souci. Ils tiendront le coup. Je commence à croire que même les Ira... Oh merde, il a pas fini. Ah ouais, je crois que j'ai lu aussi le même truc que toi, l'histoire là. T'as lu l'histoire du temple en fait. J'ai plus autant me planter. Ouais. Exactement. Regarde, la dynamite, elle est là. Est-ce que c'est de la dynamite en fait? Je crois que ouais. Hein. Ah merde, t'es derrière la tente. Ah, j'avais pas trouvé ça. Juste une. Enfin merde. Un truc écrit dans de la pierre. Ah, j'ai de l'adhésif. A29. Ah, je l'avais ça, vu ça, ouais, la tablette. Ouais, A29, faut qu'on s'en rappelle. Bah attends, bah c'est bon, on a du scotch du coup, enfin du ruban. Ah, t'as du scotch. Ouais. Ah bah, du ruban adhésif. Allumons okay. Le générateur. Attends, t'es où là? Je suis là. Attends, avant qu'on allume quoi que ce soit, viens juste voir ça. Tu l'as peut-être pas découvert en plus. Sois, Nick. Regarde. J'espère que ça va. Pardon? T'as dit un truc? Non, c'est rien. Là. Ouais, juste devant moi, ouais. Accroché au poteau, c'est pas de la dynamite? Peut-être qu'on aurait dû escalader pour sortir de la caverne. C'est chiant, quoi. Oula, oui. Si les gens étaient bien là avant nous, c'est qu'il y a... Ça ressemble à de la dynamite. J'ai peur que si on allume un truc ou qu'il y ait une fuite ou je sais pas quoi, qu'on fasse tout péter. Bon, bah écoute, on va rencontrer notre destin. Hein. Un sacré tas de feux d'artifice. Un sacré tas de feux d'artifice. Ah ouais, elle le dit très bien, la madame. D'accord. Attends, faut qu'on aille mettre le truc. Attends, je vais juste... qu'on va pouvoir le démarrer. Ouais, ça, je l'avais pas vu, tiens. Bah ouais, c'est le truc de la dynamite. Mmh. Ici. Ne rallume-le pas maintenant. Je vais mettre le générateur en route. Enfin, je vais le réparer. Ou tu veux encore explorer? Non, mais de toute façon, je dois t'attendre, donc fais ton tour. Non, je crois qu'on a plus ou moins tout vu, là. Ah, sous la tente, j'ai... Ah, pardon. Tout vu. Ah, du coup, ouais, j'avais lancé. Non, bah... non, c'est pas grave. On pouvait rentrer dans la tente? Ouais. Non, bah du coup, elle, son amant, ça doit être Nick. Ça? T'inquiète. Faut rester concentré. Quels que soient nos problèmes, ça ne doit pas nuire à la mission. Je suis d'accord. Concentrons-nous. Tiens-moi ce tuyau. C'est bon. Et aide-moi avec ce panneau. Regarde un peu leur état. Elles sont mortes. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas bossé ensemble. Bizarrement, c'est comme si c'était hier. Rachel, on a pu prendre le temps de respirer et cette pause. Franchement, regarde l'effet sur nos carrières. Toi, officier de terrain pour la CIA, et moi, Kélus pourrait bouleverser cette guerre. Si se décide à fonctionner, ouais. Je crois que ni toi ni moi n'imaginions qu'on resterait éloignés si longtemps. Cette dernière année, je l'ai consacrée à Kélus et... j'ai fait abstraction du reste. Ton travail passe avant notre relation. Je crois qu'aucun de nous n'avait prévu les conséquences que ça aurait. Rachel. Dis-moi ce que tu penses. Tu m'as manqué, Rachel. Tu n'imagines pas.
À l'époque, je sais pas, tout semblait complexe, mais... maintenant, tout paraît plus simple. Peut-être qu'on a encore une chance. Ça devrait marcher. Heureusement qu'on leur a dit de régler leurs problèmes après. Hein. On est en plein romantisme. Ah ouais, c'est vrai. Je m'y attendais pas. Bon. C'est déjà ça? Au moins, on a un peu de lumière. Ouh là là. On a du jus. Ces gens ont pu entrer, c'est qu'il y a une issue. Fouillons les environs. Quand on a eu le choix de traverser, contourner, t'as pu faire ton choix aussi ou... Non, j'ai pas eu de choix. Ah, t'as pas eu le choix ? Tirer sur la bébête, mais... Ah oui, c'est parce que c'était mon perso, je crois, le supérieur, c'est peut-être ça. Allez. Ah bah ça doit être ça alors, ok. Alors le magnétophone, il était là-bas ? Je crois qu'il est là-bas. Ouais. Il est dans la tente peut-être, non ? Ouais, il me semble que ouais, là où ça clignote. Ouais, c'est ça, ouais. Eric, regarde ça. Tu crois qu'il fonctionne ? Essayons, ok ? La bande est tout emmêlée. Ça va, c'est réparable. Quand est-ce que t'as retiré ton alliance ? La tienne, tu l'as ôté quand ? Jamais. Oh, c'est Mimi. Bah ouais, attends. T'es un mec bien. Peut-être trop bien pour moi. Je suis sûre qu'elle le trompe avec Nick. J'ai pas oublié ce que cette vague représente. Je veux que tu reviennes, Rachel. On fait les feux de l'amour en même temps, Arfang. Ouais, c'est carrément ça. Ah, fouf. Là, c'est la bonne question. Allez. Ça on va continuer à se la jouer romantique. Je crois, oui. Qu'est-ce que t'attends de moi, Eric ? Simplement la vérité. Je comprends pas. Je te connais mieux que tu le crois, Rachel. Tu as menti pour le briquet et pas pour me cacher que tu fumais en secret. Eric, arrête. Je veux la vérité. Ne fais pas ça. Admets-le. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça ? Je savais. Les eaux de ce temple baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible.
Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscients des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert, sans le savoir, les portes vers la peur. Je crois que j'ai passé, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais, pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. J'en sais rien, Nick. C'était pas censé se dérouler comme ça. Patrouille, ici King. Pense à répondre. On subit des tirs, quelqu'un pour toi, terminé. C'est Rachel. King, ici Melman, Thomas actual. Répétez, terminé. King, ici Melman, Thomas actual. Est-ce que vous me recevez? Merde. Il y a quand tout pourri. Cette corde a des siècles. Bah oui. On n'a pas le choix. Est-ce que tu le vois? Ouais, il arrive. Bah je sais qui c'est. C'est ton berger là, non pas ton... ton mec là, ton soldat? Non. Bouge. Faut réagir vite. Ah ouais, là ouais. Et on s'en est bien sorti, bravo. C'est pas fini. Non, non, je me doute, mais déjà on a pas raté les premiers trucs là. Je te raconte pas comme j'ai le doigt sur le bouton de la souris. Ah moi aussi, là je suis au taquet. Tiens, Rachel, je te tiens. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, moi non plus, j'ai vu une main. J'appuie sur la souris. Ouais, comme un fou, moi aussi. Oh, je crois que j'ai l'impression que la corde elle va céder. Ah. Oh la pauvre fille. Bah ouais, clairement. Ouh là là, la corde. Ah. Elle va péter. Rachel, essaie de t'accrocher. T'accrocher. Ouais, il est marrant lui. Il est fun comme garçon. Bon sang, Rachel, arrête de t'agiter. Je suis désolé, Rachel. Sympathique. Carrément. Désolé. Ah. Un petit bonus.
Dans quel cauchemar ces pauvres âmes ont-elles donc échoué? Les ténèbres ont englouti la pauvre Rachel. Des liens que l'on pensait jadis inaltérables se retrouvent maintenant brisés. Le cœur est toujours la première victime. Quid de Jason et Nick? Ils sont frères d'armes, mais sont-ils aussi proches qu'il y paraît? Ou alors se plieront-ils au jeu de chacun pour soi? Notons tout de même qu'ils ont laissé le caporal Merwin en proie aux ténèbres, et l'aube est encore loin. Ce qui nous amène à Salim. Il semble raisonnable. Un soldat presque malgré lui, peut-être. Un destin peu enviable attend maintenant nos survivants, piégés sous la terre, engloutis par le néant. Une par une, leurs lumières cesseront de briller, à moins que vous ne trouviez un moyen de les sauver. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'autrui d'ordinaire, mais cela rend les choses intéressantes. Je pourrais vous adresser un conseil, si toutefois vous me promettez que cela restera entre nous. Un choix prudent, tout bien considéré. J'ai autrefois croisé la route d'un poète aveugle qui m'a fait part de cette sage réflexion. Long et dur est le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière. Ce sera tout pour l'instant.